Papa, maman, peba na mboka ya Congo, ndenge boyebi toujours, tozali kondima ke nzambe na biso, azali na bino elongo, pe azali kobatela bino, pe moto akokufa te, ti aseke bino nyonso, bomona liberation totale ya mboka na bino Congo. Ndenge bozali komona toujours na bilili wana, bana ya mboka na titre, ezali makambo oyo, Félix. Avant atinda bato na ye oyo baya balinga bakorompre bachef coutumier asalaki rencontre na banyamulenge soi-disant na kati ya Kinshasa. Video wana na kotika yango bolanda yango na sima kambo moko na lingi naloba awa oyo ezali ya motuya ezali ke na bandeko na biso ya Sud Kivu, bandeko bazali sur le terrain, basi basuspecte, bakolabo, oyo bazali kolinga, basa la signature, na barencontre, oyo bato, chilombo atinda ki pona akorompre bango, pona kokaba mabele na biso, epai ya Barwande. Donc, en bref, bango bazali koluka kaka, signature moko boye kosalama po bazwa dossier yango bakende koandose yango na mikanda na bango moko bango bakrea po bakende kopresente yango na ONI po bapesa bango mabele balobaki te bachef coutumier pe ya bakongolais basinyaki yango wana tolobi bana ya mboka banyamulenge banyarwanda baza bakongolais te okosala jamais ba rencontre to koluka pe entre ba communauté na bango bato soi-disant banyamulenge po baza ba congolais te soki bovandi na mboka ya bato boza na choix te ke koobéir mitindo ya mboka wana mais ba intention na bango eza impossible po to garder bango yango décision esi ezwama bamata bakita toza kosilana na bango de génération à génération wana ekochanger te wana baesprit toza ekokota bana na biso opération ezali kaka moko oyo tobengi tiwara pe ezali meti ndenge na banda koyebisa bino ezali opération le plus puissant prevane bouti komona makambo eleki na France wana ezali kaka phase 1 yango wana bana ya mboka na kotika bino moko bolanda me nazali kosenga sikoyo na bandeko na biso bamaimai pe général ya kutumba bamakambo wana bazali koya nango bazali na baprojet mabe ntango yango ekoki ifo la frappa tika toyoka bakweyi lisusu ndenge bomesana kokweyisa bango God save Congo and people thereof. Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, pour m'avoir désigné à l'effet de le représenter à ces assises de très haute portée qui consacrent à coup sûr la volonté de ce grand peuple, la volonté de ce peuple venant des Fizi, Uvira et Plateau du Tomboué, qui doivent s'engager à vivre dans la cohésion et l'harmonie pour ainsi amorcer le développement socio-économique tant attendu au bénéfice de leur peuple. Mes chers frères et sœurs, je vous remercie également pour l'accueil que j'ai reçu à Ouvira. J'en témoignerai auprès du chef du gouvernement. Je vous remercie surtout pour cette initiative qui peut et qui nous conduira certainement vers une paix durable. Que là où il y a la haine et le ressentiment, que nous y mettions désormais l'amour, la miséricorde dans la justice. La justice.
J'en profite pour porter à votre connaissance qu'il est heureux d'être attentif aux conseils qui vous sont donnés, surtout par des frères qui viennent de loin, parce que ceux-ci, pour traverser pratiquement tout le pays, vous témoignent très certainement de leurs affections. Et à l'instar du propos de ce jour, je vous rassure que je vous témoigne effectivement de cette grande affection, de la même manière que j'en témoigne à ceux qui m'ont élu, qui ont fait de moi député depuis 20 ans. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est lui-même un homme de paix et d'amour, me charge à cette occasion de rappeler à la conscience de tout un chacun de nous que cette terre nous léguée par nos ancêtres mérite d'offrir à ses filles et à ses fils le lieu de vivre en symbiose et dans la tranquillité et non pas de se faire arroser par le sang des milliers de victimes innocentes et par la douleur déchirante de nos familles. Ces blessures font mal à tous parce que chaque violence commise contre un être humain est une blessure dans la chair du Congolais en général et des Sud qui vous sient en particulier. Chaque mort violente nous diminue en tant que personne humaine. Ces assises, je ne point m'en douter, nous donnent une excellente occasion de nous regarder dorénavant dans les yeux, de nous écouter mutuellement dans la justice et d'ouvrir nos cœurs pour le bien-être de nos communautés Babembe, Moulengue, Banindu, Bafuliro et Bavira. Chers frères et sœurs, le bon Dieu vous a tout donné. Je viens d'en vivre de mes yeux. C'est formidable. Il a tout donné. Cette province, je me suis rendu compte depuis hier, quand j'ai foulé mes pieds dans cette province, et encore davantage ce matin, quand j'ai traversé, disais-je, ce plateau de la Lusizi, cette province du Sud Kivu, regorge de beaucoup de potentialités qui nécessitent tout simplement un minimum de prise de conscience collective devant conduire à son réel développement pour le bénéfice de nos petits-enfants, de nos enfants, de nos parents. L'Assemblée nationale est suivie. On circoncit l'objet et le contexte de ce forum. Il s'agit de la suite d'une série de concertations intracommunautaires envisagées qui ont commencé par celle de Banyamulenge à Kinshasa du 13 au 15 février 2020 et celle-ci tenue ici à Uvira d'idée au 5 mars et qui vont se poursuivre incessamment avec d'autres communautés concernées par la problématique de l'insécurité dans les lieux susvisés. Aussi, voudrais-je rappeler, en paraphrasant les discours de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a lancé ses assises, que la sécurité est le premier pilier et la première mission du gouvernement central. Et le gouvernement provincial en a fait la priorité des priorités dans son programme d'action. Le discours du représentant du Premier ministre a orienté les discussions en définissant 6 défis qui, je le pense, ont guidé les échanges entre participants et c'est autour des 4 thématiques suivantes.
Primo, la cohésion intracommunautaire. Segundo, la cohésion entre les Babembe et entre celles-ci et autres tribus et communautés. Tertio, les défis sécuritaires, administratifs et la restauration de l'autorité de l'État. Et quarto, les questions humanitaires et du développement. Il est ressorti de ces échanges qui ont eu lieu ici, relativement à ces thématiques, plusieurs résolutions que nous avons, les recommandations que nous avons suivies. Et Excellences, Monsieur le Ministre d'État, par votre présence, nous savons que ces recommandations seront transmises auprès de la haute hiérarchie. Excellences, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Urbanisme et Habitat, représentant de Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, chef du gouvernement, distingués invités, je me dois de féliciter les participants pour le travail abattu. Et la qualité de ce travail, les résolutions qui en découlent seront prises en compte, ensemble, avec celles ici des concertations ultérieures d'autres communautés, pour trouver des solutions idoines et durables aux conflits qui gangrènent cette partie de notre province et qui impactent malheureusement sur son développement. Je sais que le chemin est long, mais comme l'a dit le représentant de Interpis, il nous a référé à la Bible. Il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, pour les sites qui vont, c'est le temps de la paix. Je crois, et je crois que les dialogues que nous avons eus au mois de juin, les dialogues qui ont suivi, et surtout l'initiative de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous amène dans ce chemin. Le chemin est long, mais nous, nous y croyons. Je ne peux donc clore mon propos sans réitérer mes remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution à la tenue de ces forums et qui s'engagent continuellement à consentir des efforts remarquables pour la recherche de cette paix, gage du vrai combat que nous avons, c'est celui du développement de la province d'ici. Nous pensons particulièrement à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa ferme résolution à restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province d'ici. Au Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, nous pensons aux partenaires Interpis, nous pensons aux partenaires stratégiques du gouvernement, je cite la MONUSCO, nous pensons aux participants à ces forums, et particulièrement les Babembe, pour le travail de qualité fourni et qui vient de nous être présent. Je vous remercie. Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya bankoko.